Petit, arrête-toi un peu. Petit, arrête-toi un peu. N'avance pas trop. L'arrivée de l'artiste Obams à Paris. Petit, là, il ne force pas. Il est venu avec deux petites valises tranquilles. Yes, I. Ange, pardon, viens filmer un peu. Salut, salut. Obams, c'est comment ton arrivée? Le froid se passe en esprit. Le froid se passe dehors. Attends, il va s'asseoir d'abord. Hein. Le padre est venu comme les cigares. Le gawa, demande-moi ça, pas gawa. Il est dit avant de venir. Ah oui, là, je me suis tendre. C'est mon habitude. Pourtant, c'est ma première fois. Moi, je vois un connaisseur ici. Et on me voit la mairie. Il dit, c'est ta première fois, le gars qui me contrôle. On y va. Hein? Non, et si on salue pas, Obama. Oh, oh, le Moroni là. Yedi, vous abusez. Votre affaire de Twitter là, je pense que c'est abusé. C'est trop facile. C'est trop facile. Je vous dis. Pourquoi ça abuse? Toujours c'est les mêmes, mais toujours c'est les mecs, toujours c'est les hommes. Moi je vous dis donc, si on veut se baser sur cette histoire de consentement et tout là. D'ailleurs, moi je vais vous dire une chose. Moi je ne cautionne en aucun cas la brutalité envers la femme ou l'homme, envers un être humain. Moi je dis non. La brutalité déjà c'est non. Mais il y a un truc. Si on doit partir sur la base de consentement, c'est que vous abusez de nous mal, hein? Trop même. Parce que le gars, il vient te voir. Ou bien tu es venu lui rendre visite. Il te dit non. Tu vois, toi et moi, en fait, voilà, non, parce que, tu vois, j'ai ma copine et tout, tu vois. Et puis, elle sait que l'homme où il est là, deux cerveaux, il y a ici et puis il y a ici. Donc, ce que lui a dit là, si lui l'a dit non, c'est lui qui gagne. Ce que lui a dit, même si lui l'a dit non, lui, là, il va se lever forcément. Vous voyez un peu? Donc, le gars, il dit à la gauche, non, je veux pas. Puis, j'ai ma chérie qui m'attend quelque part. J'ai ma femme, celle que je veux épouser. Maintenant, toi... Elle connaît, le gars, elle connaît, c'est comment le gars est, tu vois. Le gars aussi, c'est un garçon. Maintenant, quand la fille se trémousse devant lui, en piquini ou bien en string, tu vois, un peu, en faisant les ah, des mal, en remuant les derrière, tout. Si la bande, il veut pas, mais le truc s'est levé. Elle peinture le gars, elle a abusé de lui. Mais c'est vrai parce que il lui a dit non, il veut pas. Maintenant, la fille, elle insiste. Il dit non, je ne veux pas. Bon, elle s'en va, elle attrape le truc. Elle fait popito avec. Bon, elle fait quoi? Vous avez trop abusé de nous. Les gars, dénonçons nos peintoinceuses. Nous-mêmes, on doit faire ça. Toutes les fois où tu es parti voir ton ex, et puis tu lui as dit non, je ne veux plus. Et puis elle a remué son truc. Et puis elle a attrapé ton bonbon. Elle a commencé à. Et puis tu es tombé là. Elle a abusé de toi, mon frère. Va faire, toi aussi, va tweeter, va dire son nom. On va donner le nom de nos peintresseuses aussi. Moi, j'ai toujours dit une chose.
Je reprends encore une fois, je ne cautionne en aucun cas la brutalité envers qui que ce soit, envers un être humain. Moi, d'ailleurs, me concernant, si tu viens me voir, ou bien toi et moi, genre, je suis, on a un pointage et tout, et tout, et tout. Et puis, le jour, on veut faire, tu fais façon, façon. Puis, il y a des goûts là, même, elles aiment qu'on, tu vois, un peu, qu'on serre un peu leurs mains sur le côté et tout, un peu, donc qu'on les prenne un peu de force. Il y a des femmes qui aiment ça, hein. Comment est-ce que tu as courtisé Bintou? Alors, Bintou, c'est sa femme. Oui, c'est mon commandant. commandant en chef. Alors, elle est arrivée au bon moment. Elle est arrivée au bon moment parce que j'avais décidé de choisir de sortir avec une fille qui me ressemblait parce que je savais que j'étais beau, j'étais frais. Bim. C'est ça qui est vrai. Ouais. C'est ça qui Bim, est bon. C'est ça, elle est nature. Tu sais, Meïta, moi, déjà très jeune, j'avais déjà construit ma personne. C'est pas ton frère, Mike, je sais pas. Non, sérieusement. C'est le style seulement qui fait défaut. Non, sérieusement. Moi, je suis un mec classe. Mm-hmm. J'ai dit que tout autour de moi, tout doit être classe. Mm-hmm. Dans ma façon de faire, dans ma façon de parler. En tout cas, gens, si c'est classe, là, Edja. Voilà. Tu vois, non. Donc, je dis, il faut une go qui me ressemble. Une go que je peux présenter à quelqu'un. C'est-à-dire, je peux sortir sans avoir peur, sans avoir honte. Bébé, viens me trouver, gentil. Tu sais qu'elle ne va pas faire caca. Non. Je retire la caca, pardonnée. Elle ne va pas faire bêtise. Quoi? Elle parle, hein? Non, elle dit. Non, elle habitait non loin du collège que je fréquentais. Mm-hmm. Et les 16 heures comme ça, elle briser les brochettes de sa mère et tout. Mais elle passe pas inaperçue. C'est pas le genre de femme qui s'exprime. Non, elle est très réservée. Oui, ça, voilà. c'était le point. Ça intrigue quand tu la vois. C'est toi qui l'as draguée. Non, c'est ma soeur, elle est Traoré. C'est une Traoré. Donc la femme, elle est. elle était vraiment attirante. Donc je disais à mes gars, parce que j'allais à l'école. Donc j'ai mon gars. Mon condé, ça remonte à longtemps. Hein. Il s'appelle Nieblé Jean Bertin. Il va se reconnaître. Théodore, je l'appelais Théodore Nguema Obiang. Ça c'était mon type. Donc je lui disais, Obiang, la goula, il faut qu'elle soit ma copine. Et t'es en quelle classe? Je vais être en seconde. Non, mais moi, c'est pas le truc de commencer tout, c'est qu'elle soit restée jusque-là. En seconde première, ouais. Seconde c'est première. Trop bien. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, la fille, là, parce que quand tu la règles, c'est pas les gens comme nous. Nous, on se cherche. Mm-hmm. Tu comprends? Non, c'est une femme qu'on pouvait marier à un riche. Tout, mm-hmm. tout à fait. Voilà. Donc, j'ai dit, la gole est il dit, bon, quand tu finis de parler, faut venir aller en classe. Parce que je me rappelle de sa façon de parler. Mais de quoi? J'ai dit, mais. Est-ce que tu t'es vu même? Tout ça quand elle est devant, donc on passe juste devant la porte pareil. Donc donc quand je dois la saluer, je répète. Mm-hmm. Yeah. Bonsoir. Je m'arrange. Uh-huh. Donc qu'est-ce que je dois? Bonsoir. Donc je vais quelques mètres devant, je répète la scène. Comment elle m'a répondu? Ah, tu penses ça, ouais. Bon, après, je me suis jeté à l'eau. Je dis, bon, il faut que j'y aille. Donc, j'ai commencé à la draguer et je l'ai draguée à la maison chez elle. Mm-hmm. J'ai dragué à la maison chez elle. À la maison chez elle, tu as un gros cœur un peu. Ouais, ouais, si, ça tu peux le dire. Mm-hmm. Ça, tu peux le dire. Elle est musulmane et son père. C'est son père. Ah, c'est son père. Et tu as une perle comme ça pour en prendre soin. Je pense qu'à partir de là, ils ont eu du respect pour moi parce que je suis allé jusqu'au bout. Je l'ai dragué, je partais chez elle. Explique-moi, la drague, c'était comment? T'arrives chez elle? Non, j'arrive chez elle, j'ai commencé d'abord, il y a une boutique à côté du collège. Donc, mm-hmm. quand j'ai pas cours, quand elle sort de chez elle pour aller, j'attaque. Yeah. Elle est cousine et tout. Allez, gars, ça va? Au départ, je l'appelais ma Valentine. Ah, on faut Valentin, hein, Valentin, faut Valentin. Amusez-moi. Tu m'as dit que c'est trop compliqué, tout ça. Parce que je savais que j'étais pas. T'étais pas le profil, au fait. Pas le profil. Mm-hmm. Mais j'avais confiance en moi. Quoi. Mm-hmm. Donc, on dit, c'est ta force de patience qu'on réussit à extraire le cœur du moustique. Donc, je suis parti. Il est forcé. Mm-hmm. Il y a eu un bécou. Yes. Ouais. Yes. Beko.
Beko. Beko. Beko. Et mais à quel moment t'arrives à la maison en fait? Et comment ça se passe? Parce que avant, moi, il y avait un charbonnier devant chez moi. Mm-hmm. À défaut de me payer la place, je demandais toujours un sac de charbon. Lui, il savait, parce qu'il lui partait livrer le charbon à la maison. Donc, c'est lui qui m'a donné l'astuce. Il m'a dit, au lieu de prendre l'argent, là, la fille, là, tu es fan d'elle, prends un sac de charbon, va le donner à ses parents. Mm-hmm. Donc, chaque mois, j'allais déposer le charbon là. En tant qu'élève, hein? Comment? En tant qu'élève. Tu t'es toujours élève. Oui, en tant qu'élève. Je crois que j'avais, oui, en tant qu'élève. Je crois terminale, première, oui, en tant qu'élève. Je partais déposer. Ah, on sent qu'il est responsable. Hein, technique d'approche. Ouais, ouais, non, charbon, mais. Écoutez charbon, bien. Charbon. Charbon. On ne savait pas qui envoyait le charbon, en fait. Si, ça va. Ça dépend de la commune. Ouais, c'est quand il vient de poser, il dit c'est le petit là. Petit voyou qui a. Voilà. Oui, mais après, je crois que j'avais arrêté parce que la première fois que ça n'a pas marché pour le bac, j'ai dû arrêter pour. Les grouillements. Voilà, j'ai travaillé dans des sociétés de café cacao, je faisais le tri, balayage et tout ça. Voilà, je pense que c'est dans cette période-là. Mm-hmm. Et donc, on a commencé à sortir ensemble. J'ai vu que ça allait devenir impossible parce que. Son père était très 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 rigoureux, il était très sévère. Elle pouvait pas sortir avec quelqu'un comme moi. Mm-hmm. Il est enceinte. Je bimbe ça. Il est enceinte. Ouais. Je lui ai dit, si je te laisse, ils vont te marier à quelqu'un. Tu l'as enceinte. Il dit fort. J'ai l'enceinte. Un gros cœur. Et comment ça se passe après? Ouais, après elle va demander pardon à son père et tout ça, mais son père savait que je l'aimais. Il savait que j'étais un gars sérieux et tout ça. J'ai l'enceinte, elle a demandé pardon à son père et tout. Ça en a suivi tous les patati patata, il s'est présenté, donné cola et tout. Après, boum, c'est le succès. Le petit voyou est devenu Mouloukoukou. Mm-hmm. Donc je venais toujours à San Pedro, j'ai toujours gardé. De bons rapports bon rapport avec la famille. Je venais à la maison, petit cadeau et tout. Il y a un synthé encore. Le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel. Il y a un synthé encore. Là, on s'est mariés. En tout cas, j'ai mis au respect sa famille parce que je lui avais dit que j'allais te rendre heureuse parce que tu mérites d'être heureuse parce que suivre quelqu'un qui travaille pas, c'était pas un avenir. Je lui ai dit, bon, tu es DJ, ça garantit rien. Tout à fait. Voilà. Donc moi j'y ai cru parce que je savais ce que je voulais. J'ai jamais laissé mes rêves. Comment j'étais petit, je voulais être soit animateur télé ou DJ. Les deux, tu les as bien réussi. Donc je suis dans mon dans ma bulle, j'ai réussi dedans, j'ai créé ma petite famille dedans. Dieu merci, tout va bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler à tout le monde entier au fait. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde entier sur un point vraiment qui est très important. Voilà, il est important de souligner, il est important de souligner que mon artiste Didi Arafat a été une personne qui a travaillé avec, voilà, à travailler avec Bamanik. Un instant. Laissez en direct, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà, donc j'étais disant que Didier Arafat a travaillé avec pas mal de personnes. Il a été avec pas mal de personnes et aujourd'hui ces personnes-là ont été avec nous parmi nous. Et également ces personnes-là, nous tous, on a fondé une famille. Et lorsqu'on dit une famille,
c'est d'avoir d'abord, dans un premier temps, l'amour de son prochain. Et aujourd'hui, personnellement, le message que j'aimerais passer, c'est un truc qui me tient à cœur, en fait. Parce que lorsque je regarde, lorsque je constate certains faits, il est important de pouvoir attirer l'attention de tout un chacun. Voilà, Didier Arafat, au départ, il a été avec des personnes, bien avant moi. Et ces personnes, à un moment donné de sa vie, ont été avec lui. Ils ont vécu pas mal de moments de joie, de gaieté avec l'artiste. Bon, après ça, il a rencontré d'autres personnes. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous tous, on forme un parce qu'on on forme une famille. Et malheureusement, la vie, on a décidé autrement. Notre frère nous a quittés. Et aujourd'hui, lorsque je vois que, après la disparition de l'artiste, aujourd'hui, cette famille-là est divisée, ça me fait vraiment de la peine, en fait. J'aurais voulu voir aujourd'hui cette famille-là unie. J'aurais voulu voir aujourd'hui cette famille-là s'entraider. Mais aujourd'hui, hélas, on constate que nous sommes tous désunis, chacun dans son chacun. Et ça a créé une querelle, ça a créé une discorde au sein de cette famille-là. À telle enceinte que peut-être une personne peut avoir la chance, une personne peut avoir, disons la chance, une personne peut pouvoir aider son prochain, mais à cause de cette discorde-là, chacun d'entre nous est dans son chacun. Voilà. Et j'aimerais donner un exemple palpable pour que vous essayez de comprendre un peu ce que je vais dire, le message que je vais véhiculer. Olo Pacha, c'est mon frère que je salue de passage. Olo Pacha aujourd'hui exerce dans un secteur d'activité où il est dans la poissonnerie et tout ça. Et aujourd'hui, Olo Pacha peut venir moi à nous me livrer des poissons à la maison. Ou moi aussi également, je peux lui trouver des marchés par rapport à son entreprise. Mais à cause de la discorde, si j'ai les moyens ou si j'ai la possibilité de pouvoir aider mon frère à l'accompagner dans son activité pour qu'il puisse réussir, je veux mettre fin à ça parce que on ne s'entend pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle au fait. Je continue encore en disant. Aujourd'hui, il y a Carmen. Carmen, c'est notre maman à tous. Carmen, c'est notre femme. Parce que Carmen est la femme de notre frère. Elle est la femme de mon boss. Elle est la femme de notre frère. A aujourd'hui une boutique. Et cette boutique-là, si vous voulez, elle a donné cette boutique-là à sa fille, Rafna. Et Rafna, aujourd'hui, Carmen a sa boutique. Vous trouvez normal que aujourd'hui, depuis Carmen à la boutique, moi à nos Jaguars, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Pour aller voir mes pousses sutiles, pour aller lui donner un coup de main, pour appeler les personnes à venir massivement dans ce magasin-là. Non. Pourquoi? Parce que d'autres personnes ont raconté des choses. On dit des choses à son sujet, à telle enceinte que moi aussi, j'étais dans mon coin. Et c'est pareil. D'autres personnes aussi sont allées lui raconter des choses aussi à mon sujet. Ça fait qu'elle aussi, elle est dans son coin. Les gens ont profité, ils ont profité de ce moment-là pour nous désunir. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun. Nous sommes tous des frères. Parce qu'à un moment donné, Didier Arafat a été avec nous. Et donc, je pense que c'est ensemble, lorsqu'on sera soudés, qu'on pourra vraiment
montrer une bonne image de nous. Aujourd'hui, le monde entier nous reconnaît. Grâce à Didier Arafat aujourd'hui, tout le monde a eu quand même une petite cote de popularité. Et rien ne sera plus intéressant de voir qu'aujourd'hui, nous tous, nous soyons ensemble. Et pourquoi pas, essayer de voir si on peut s'entraider. Aujourd'hui, comme ça, je peux me permettre de partir rendre visite aux enfants de mon artiste. Et pourquoi pas, excusez-moi, partir rendre visite aux enfants de mon artiste. Et pourquoi pas les inviter à venir chez moi, passer un congé, passer un bon moment avec moi. Cela est possible. Cela est possible. Je peux me déplacer, aller dans le magasin de Carmen, faire des achats ou appeler les gens à venir massivement dans le magasin pour que son activité puisse marcher. Donc vraiment, c'est avec cœur ouvert au fait. J'aimerais demander à tout le monde, toute la famille. Quand je dis toute la famille, je veux parler des personnes qui ont été avec l'artiste. Des personnes avec qui on a passé de bons moments. Il faut que cette union reste éternelle. Les gens profitaient de cette discorde là pour créer beaucoup de choses pour qu'on soit divisé. Mais l'heure n'est plus à ça au fait. Voilà. Donc, j'aimerais demander pardon à tout le monde. Pardon à tout le monde. À toutes les personnes que j'ai eu offensées. Toutes les personnes que j'ai eu offensées. Je vous présente mes sincères excuses. C'est pas ignorance. C'est pas ignorance. Et c'est parce que j'avais, disons, une rancœur en moi. Je demande pardon à tous mes frères. J'appelle ici tout le monde à être uni. Maintenant, il y a des personnes qui ont eu, pendant l'existence de l'artiste, il y a des personnes qui ont été en discorde avec l'artiste. Oh, vraiment. Il y a des personnes qui ont été en discorde avec l'artiste. C'est pas à moi. Vous êtes venu vous dire ce que vous devez faire. Vous comprenez? C'est pas à moi de venir vous dire ce que vous devez faire. Vous-même là, vous devez être responsable de vos actes. Vous devez prendre votre courage à deux mains. Et vous demandez pardon. Vous demandez pardon à toutes ces personnes-là qui vous haïssent. Vous demandez pardon. Et tout est possible. C'est pas moi qui est venu dire non que oui. En cas de demander pardon à tant, ou moi en cas de réconcilier tant, en cas de faire tant. Non. Chacun est libre d'être responsable de ses actes. Donc les personnes qui ont eu des histoires avec l'artiste là, ça c'est à vous-même. Vous-même, essayez. C'est pas comme vous allez vous arranger pour pouvoir régler cela. Ce dont je suis en train de parler là, j'éclaircis ça clairement. Je parle de ceux qui étaient avec l'artiste, qui étaient en bon rapport avec l'artiste. Et aujourd'hui, l'artiste est tombé. Aujourd'hui là, on n'est plus unis. Aujourd'hui, je ne sais même plus où Roméo Le Tolol est. Je ne sais même plus où Christian est. Je ne sais même plus où pas mal de... Parce que nous tous, on est divisés. Je pense que l'heure actuelle là, il faut qu'on soit réunis. Il faut qu'on soit réunis et qu'on voit dans quelle mesure est-ce que on peut vraiment s'entraider. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin.